Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Grande séance de sensibilisation des conducteurs de taxi-moto communément appelés Zémidjans. C'est une activité du Centre national de sécurité routière initiée par le chef de l'arrondissement de Zoncan dans la commune de Djidja. Il s'agit pour les organisateurs de contribuer à la réduction des accidents sur les routes nouvellement construites. La séance a été couplée avec la remise des chicanes au commissariat de police de Mouillon. Et pendant ce temps, les 6 pays membres du bassin de la Volta sont en conclave à Cotonou. Au cœur des discussions, la validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques dans le bassin de la Volta. C'est à travers un atelier régional qui s'inscrit dans la poursuite du projet d'intégration de la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique. Nous parlerons également dans ce journal de la réunion de partage d'expériences des chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UOMOA. C'est une rencontre qui porte sur les financements innovants des entreprises existantes au sein de l'espace et au cours de laquelle les initiatives locales seront présentées aux participants. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Ouvrons ce journal par une séance de sensibilisation organisée au profit des conducteurs de taxi-moto de la commune de Djidja et environ. C'est une initiative du chef de l'arrondissement de Zoncan, pilotée par le Centre national de sécurité routière. Objectif, réduire les accidents sur les routes nouvellement construites. La séance a été couplée avec la remise à chicane au commissariat de police de Mouillon pour lui permettre de mieux réguler la circulation. Imet Hélène Amoussou pour plus de précisions. L'auditoire est essentiellement composé des conducteurs de taxi-moto de la commune de Djidja. Ils avaient également à leur côté d'autres venant des communes environnantes comme Aboumé et Boïkon. Ces usagers majoritaires des axes routiers dans le département suivent ici au Carrefour Mouillon une sensibilisation sur les dangers liés à l'excès de vitesse et l'utilité de respecter les inscriptions sur les panneaux routiers ainsi que les matériaux qui participent à la réduction de la vitesse comme les ralentisseurs ou encore les chicanes. Les chicanes participent de prime abord à la réduction des accidents. La couleur rouge vive sur les chicanes démontre de la visibilité. Lorsqu'il y a le pénombre, lorsque l'obscurité commence par s'installer, il ne faut pas vouloir gérer d'autres situations et créer encore des situations accidentogènes. Et donc, on démonte ces chicanes pour permettre aux usagers de circuler librement. Lorsque l'obscurité s'évapore et que la visibilité est bonne, il faut encore monter les chicanes sur la voie. Initié sur demande du chef de l'arrondissement de Zoncan avec le soutien du Centre national de sécurité routière CNSR, la séance est inscrite au rang des stratégies de prévention des conflits routiers et leurs conséquences. En marge de ces échanges, l'élu communal a offert au commissariat de Mouillon des chicanes, ceci pour permettre aux agents de mieux réguler la circulation. Avec cette action, nous pouvons lui souhaiter bon vent parce que là, c'est pour sauvegarder et des vies humaines parce que quand un Zeminaman sort où un chauffeur sort de la maison et c'est les parents, les enfants, la maman, tout ça là, savent que le papa doit retourner à la maison. Quand il ne se retourne pas, vous voyez que c'est amertume. Population, puisque cette voie est normalement un outil de développement. Il ne faudrait pas que nous la transformons en un outil d'insécurité. Donc, cette don de chicane va permettre à la population, sur certains axes, de ralentir. Parce que, par exemple, devant nos écoles, il y a souvent ces accidents-là. Donc, ces chicanes vont essayer de réguler les accidents de circulation. Lorsque nous serons aux approches des agglomérations et nous serons aux approches des édifices publics, la vitesse est de plus réduite. Aujourd'hui, elle doit être à 30 km par heure à l'approche des écoles. Donc, nous demandons donc à cette population, majoritairement peut-être analphabète, de mettre en pratique et de respecter le code de la route pour sauver des vies. Réalisé récemment, les tronçons Boïkon Mouillon Djidja, Aboumé Mouillon Djidja et Mouillon Mbega enregistrent beaucoup d'accidents qui occasionnent souvent des dommages matériels ainsi que des pertes en vies humaines. Tout comme à Mouillon, le donateur prévoit se rendre les tout prochains jours dans les autres arrondissements pour le même geste. José Didier Tonanto était ce mercredi sur les sites de construction du marché de Gros et de la cité administrative.
Accompagné d'une délégation de son cabinet, le ministre du cadre de vie et du développement durable est allé constater l'état d'avancement des travaux sur les différents chantiers de construction d'infrastructures dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre. C'est une visite de routine, une de plus de José Didier Donato sur les chantiers de construction d'infrastructures ici à Abomey-Calavi. Première étape, le pôle agroalimentaire du Grand Okwe, connu beaucoup plus sous la terminologie de marché de gros. Ici, les travaux commencés en février 2021 évoluent sans heurts. Dans l'ensemble, nous sommes aujourd'hui à peu près, en tout cas pour les travaux qui ont démarré, à peu près à 40% d'avancement et nous mettons tous les moyens en place pour respecter le délai afin de sortir un projet qui puisse répondre aux attentes de notre pays, le Bénin. Juste quelques difficultés notées au début des travaux. Mais aujourd'hui, le constat est rassurant pour la construction de cette infrastructure marchande. Ce que j'ai constaté et qui me rend optimiste, c'est qu'aujourd'hui, tout a bien démarré, les commandes sont lancées, le planning est maîtrisé, la situation est sous contrôle. L'instruction qui a été donnée est de tout faire pour réduire le gap qu'il y a entre le délai consommé et le niveau d'exécution, le taux d'exécution physique. Et séance tenante, des engagements ont été pris de lever les derniers goulots d'étranglement, notamment le dédommagement des personnes affectées par le projet. Et ceci afin de respecter les délais contractuels. Les délais parce que ça fait partie d'un ensemble. D'un ensemble déplacement du marché d'Antopa, modernisation des marchés de Cotonou, construction de la galerie marchande du stade de l'Amitié et marché de gros de Abomey-Calavi. Tout ça doit être synchronisé pour que la situation soit maîtrisée. Après le marché de gros, cap a été mis sur le site de construction de la cité administrative. Sur ce site de 40 hectares seront érigés dans quelques mois 16 bâtiments qui abriteront les directions techniques et les secrétariats généraux de tous les ministères. Autrement dit, une sœur jumelle à la cité ministérielle en construction à Cotonou et qui comprend les cabinets ministériels et les directions centrales. Ce chantier a démarré après la cité ministérielle, d'où un décalage aujourd'hui d'à peu près 6 à 8 mois entre les deux chantiers. Notre objectif, c'est d'opérer le déménagement des ministères au même moment, pour que ce soit un seul mouvement. Il y a eu beaucoup de difficultés au départ, mais là aussi, la CIMO m'a rassuré que tout est en ordre maintenant, pour qu'on avance bien. La CIMO, c'est la Société Immobilière et d'Aménagement Urbain. José Didier Donato et sa suite ont enfin fait le tour de la cité des 11 000 logements de Wedo, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Des logements dont les critères d'attribution ont été définis la semaine dernière en Conseil des ministres. Au niveau de tous les lots, les travaux évoluent à grands pas et tout sera prêt dès l'année prochaine, a laissé entendre le ministre Donato. Bientôt, des motos électriques dans la circulation routière dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémékpodji. Ce projet de l'Association nationale des communes du Bénin a fait objet d'une note conceptuelle ce mardi au cours d'un atelier dirigé par le président de l'ANCB. C'est un projet qui s'inscrit dans la perspective de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Reportage. Le transport routier est l'un des secteurs qui émettent énormément de gaz à effet de serre. En réponse à ce constat basé sur les résultats de la troisième communication nationale sur les changements climatiques, l'Association nationale des communes du Bénin pose le diagnostic et propose une solution efficace pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. C'est à travers le projet de promotion de motos électriques dans la commune d'Abomey-Calavi, Cotonou et Sémékpodji. Une note conceptuelle est élaborée à cet effet et le présent atelier qui se tient à Cotonou ce mardi 3 mai vise à valider le document en vue de sa mise en application. Conformément à la note conceptuelle qui vous sera présentée tout à l'heure, le projet vise à contribuer à l'élaboration de la qualité de l'air et à la protection de la santé des populations. De façon spécifique, le projet entend introduire 5000 motocyclettes électriques à 4 temps alimentées à l'énergie solaire photovoltaïque dans les 3 communes surmentionnées. Je vous invite donc à être attentif aux présentations qui vous seront faites au cours de cet atelier et à contribuer, comme vous savez si bien le faire, à parfaire le document qui en résultera.
Étudier et parfaire la note conceptuelle pour une mise en œuvre sans faille, la tâche des participants à cet atelier est bien définie. Au Bénin, la volonté politique est clairement affichée. Le gouvernement du président Patrice Talon joue pleinement sa partition dans l'élan collectif visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre et donc lutter efficacement contre les changements climatiques. Dans le budget en cours d'exécution, en effet, l'acquisition des véhicules électriques bénéficie d'une exonération. Outre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, soutiennent cette initiative de la fêtière des communes. Donc, le moment est venu d'apporter notre contribution collective à la note conceptuelle et de la finaliser pour une soumission réussie. Je tiens donc à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs impliqués dans la préparation de cette note conceptuelle et je souhaite à tous une réussite sincère dans l'octroi de financement par le Fonds vert pour le climat et la mise en œuvre du projet. Un lot de recueils et de tests sur les changements climatiques a été remis aux maires bénéficiaires du projet. Voici quelques modèles de motos électriques à quatre temps que le projet entend mettre en circulation dans les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et Semepodji. Les six pays du bassin de la Volta sont en conclave à Cotonou depuis ce mercredi. Au menu des assises, la validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques dans le bassin de la Volta. C'est à travers un atelier régional qui s'inscrit dans la poursuite du projet d'intégration de la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique. Reportage. Démarré depuis 2019, le projet intégré la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta est aujourd'hui à l'étape d'une évaluation à mi-parcours. À travers l'atelier régional, pour la validation de la revue des politiques, plans, programmes et directives de gestion des extrêmes climatiques, les participants venus des six pays concernés vont travailler à l'élaboration d'une stratégie d'adaptation et de résilience à long terme dans le bassin de la Volta. L'objectif principal de ce projet est la réduction des risques, des catastrophes et l'adaptation au changement climatique à travers, dans un premier temps, le développement d'approches innovantes, l'utilisation des solutions dites vertes, le développement des approches participatives sensibles au genre. 72 heures de réflexion, d'analyse et de partage d'expériences pour améliorer les conditions de vie des populations rurales vivant le long du bassin de la Volta. Il est attendu de ces assises des recommandations pouvant permettre le développement du projet VFDM, surtout pour répondre efficacement aux séquelles des extrêmes climatiques, dont les inondations et la sécheresse. Ces phénomènes hydroclimatiques extrêmes récurrents, même si nous ne pouvons pas les empêcher de se produire, requièrent notre anticipation concertée afin de nous permettre d'atténuer sensiblement les risques encourus par nos vaillantes populations, notamment en zone rurale. À la suite des travaux de validation du rapport de synthèse du projet VFDM, le comité technique consultatif tiendra sur place sa deuxième session. Faut-il le préciser, le projet intégré la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'appel précoce pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta est financé par le Fonds d'adaptation et mis en œuvre par le consortium composé de l'autorité du bassin de la Volta, l'Organisation météorologique mondiale et le Partenariat mondial de l'eau. Nous allons à présent découvrir les vestiges d'un ou le combat historique que beaucoup appellent le dur combat d'Achupa. C'est une grande bataille qui a opposé le roi Béhanzin aux troupes françaises qui avaient signé un traité de protectorat au profit du royaume de Porto Novo. Aujourd'hui, le site qui a enregistré ce dur combat végète dans un état de délabrement, même s'il garde encore les traces des affrontements. Nous allons donc dans la commune d'Avrancourt pour revivre un pan de l'histoire du Bénin. De hautes herbes et des champs à perte de vue. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas sur un terrain ordinaire, mais sur un site hautement historique, celui du dur combat d'Achupa, qui a opposé le 20 avril 1890
les troupes du roi Béhanzin à celles du roi Tofa sous protectorat des troupes françaises. Pour découvrir les contours de ce site, nous nous enfonçons par des sentiers oubliés avec notre guide dans la Grande Broussaille. Première découverte, cette murette, relique de la base militaire du roi Béhanzin à Tchoupa, lorsqu'il a décidé de venir capturer et soumettre le roi Tofa. Nous sommes à Tchoupa, un arrondissement de la commune d'Avrancourt, où a eu lieu en 1890 la guerre qu'on appelle communément du combat d'Achoupa. Du combat d'Achoupa, ça a eu lieu dans ce village qu'on appelle Vodénou. C'est un village qui était déjà, avant même cette guerre, une douane, Dénou. Dans notre langue, ça veut dire que là où on contrôle les marchandises en partance vers Porte-Novo. Ça a servi de beaucoup de couloirs de transmission vers la ville capitale. Mais déjà, ce qui a eu lieu ici, sur là où nous sommes actuellement, c'est cette guerre qui a opposé le roi Béhanzin et le roi Tofa. C'est-à-dire les deux frères étaient restés dans la même cour autour du roi Glélé. Plus tard, Béhanzin devient roi d'Abomé et Tofa devient roi de Porte-Novo. Mais pour des conquêtes et pour des mésententes, le roi Béhanzin a décidé de conquérir Porte-Novo avec une stratégie aussi particulière. On l'attendait à venir par Rouenta, mais il a pris par derrière en traversant Katagon, Djomon, et a installé sa base précisément là où nous sommes. Voilà les murettes qui sont restées, et même après l'écroulement, on voit encore les murettes. Vous allez voir, c'est très épais. Et la stratégie aussi, parce qu'en utilisant les terres du bas, les balles qu'on avait en ce temps-là, paraît-il que les balles ont de difficulté à traverser les terres du bas. Au-delà de cette murette, le site est hérissé de grandes tranchées totalement recouvertes d'herbes, mais encore identifiables après plus d'un siècle. Et ces trous, jadis, faisaient entre 5, 8 et 12 mètres de profondeur et permettaient à ceux qui devaient, aux guerriers et aux Amazones, de circuler avant d'aller attaquer l'ennemi. Donc voilà, c'est l'entrée de ce trou. Voilà la porte de la base. Quand on sort de la base, on rentre dans ce trou, ça veut dire que l'ennemi n'a pas le temps de savoir d'où viennent les combattants, d'où ils sont partis. Et vous allez voir des traces de ces trous un peu partout. Et malheureusement, avec l'urbanisation un peu vers Porte-Novo, il y a une partie de ces trous qu'on ne retrouve plus. Ben, on a conservé une bonne partie pour reconstituer l'histoire. La stratégie de Béhanzin, c'était d'aller jusqu'à Porte-Novo, prendre Tofa vivant, et le traîner dans le trou pour revenir et repartir à Abomey avec. Mal de peau, déjà le 19 avril 1890, Tofa a été informé que Béhanzin s'est installé à Achoukwa. Ce qui a fait que Tofa, aidé par la troupe française, très tôt le matin, déjà ils sont mis en route de Porte-Novo vers Gbedi, pour pouvoir commencer le combat avec la troupe. Donc ça a été un effet de surprise. Mais dites-vous, pour ce que l'histoire nous raconte, ça n'a pas été surtout facile. Parce que la troupe de Béhanzin, avec 3000 guerriers et environ 1000 Amazones, ont livré une guerre sans merci. Le site du dur combat d'Achoupa, c'est aussi la rivière Noire par laquelle le roi Béhanzin regagnait les lieux et une portion de terre qu'il a maudite. Cette rivière, c'est la rivière par laquelle le roi est venu à Achoupa. Le roi Béhanzin est venu à Achoupa. Cette rivière qui est un bras de la rivière Noire qui ceinture la commune d'Avrancourt sur 46 km. Donc la base s'est installée juste à côté de cette rivière. Et c'est aussi une des stratégies. Quand il y a des difficultés, on peut rejoindre rapidement la zone marécageuse, l'eau,
et l'ennemi aura de difficultés à attraper les guerriers. Parce que le roi Béhanzin a eu comme information que plusieurs de ses guerriers et de ses amazones ont été matés par la troupe du roi Tofa avec l'appui des Français, ne voulant plus continuer la guerre parce que c'est devenu plus sanglante cette guerre. Béhanzin est sorti de la base, a réuni le reste de la troupe, a tendu sa main vers ici pour dire « Je me sens trahi sur cette terre. Pour cette portion, rien d'arbre ne poussera ici. » Cette parole qui est restée une fausse est toujours d'actualité parce que vous n'allez pas voir de grands arbres sur l'espace là où nous appelons aujourd'hui l'espace maudit par le roi Béhanzin. Malgré les bonnes intentions des gouvernements successifs, le site du dieu combat d'Achoukpa n'a encore connu aucune valorisation. Les herbes ont colonisé les lieux, les reliques disparaissent, des pans du site sont morcelés et vendus, et il faut parer au plus pressé. Quelqu'un qui oublie son histoire est un esclave qui est en devenir. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ce qu'il y a comme site et patrimoine au niveau de notre pays, nous devons les revaloriser. Et c'est déjà heureux que 26 de nos trésors sont revenus. Le reste aujourd'hui, ce que nous avons, ce qui est parti d'Achoukpa, ce qui est ailleurs, nous pouvons les reconstituer quelque part pour la valorisation du territoire et pour le développement touristique. En attendant de véritables actions de valorisation de ce site, seul ce monument à l'entrée de l'arrondissement d'Achoukpa rappelle que nous sommes dans la cité où le roi Béhanzin a livré l'une de ses farouches batailles contre l'envahisseur français. Le site du dieu combat d'Achoukpa lui-même attend d'être valorisé pour que cette partie importante de l'histoire du Bénin ne soit escamotée. Après la leçon d'histoire, nous allons maintenant parler mathématiques. Sur initiative du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Dakpé Sossou, un projet de promotion des mathématiques et des sciences a été lancé ce mercredi à Lokossa dans le département du Mono. Le projet vise à inciter les apprenants à reprendre goût aux sciences en général et aux mathématiques en particulier. Les détails dans ce reportage. Une date à retenir dans les annales de l'école à Lokossa, le 4 mai 2022. Et pour cause, elle symbolise désormais le point de départ d'une nouvelle ère de promotion de la filière mathématique dans cette cité du département du Mono, située au sud-ouest du Bénin. La cheville ouvrière de cette renaissance, la voici, Dakpé Sossou. Et ceci à travers un projet novateur dont le lancement s'effectue dans cette salle de classe du CEG1 Lokossa. Conscient de ce que la jeunesse est notre relève et qu'elle constituera d'ici 20 ans plus de 60% de la population de notre département, je crois qu'il est de bon ton d'orienter donc la jeunesse vers les sciences, la technique et les mathématiques afin de la rendre plus compétitive et apte à affronter les défis de son temps. L'objectif de ce projet cher au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est d'inciter les apprenants de Lokossa, voire du Mono, à reprendre goût aux mathématiques et aux sciences en général. Chers jeunes élèves, le meilleur cadeau que je puisse vous offrir est l'éducation, car elle vaut mieux un bon héritage. Prenez-en soin et mettez-vous à fond au travail avec l'assurance d'avoir les leaders du département comme soutien sur ce projet. Le projet sera conduit par l'équipe de Rodrigue Mauna Atiogbe. Il comprend plusieurs activités. Pour cette année, il sera notamment question de l'organisation de séances de sensibilisation au profit des candidats à l'examen du bac sur les conditions d'accès aux écoles, instituts et facultés. On note aujourd'hui dans le système éducatif béninois une désaffection poussée des apprenants pour les sciences. On remarque même que cette situation a pour corollaire le manque d'enseignants de sciences aujourd'hui dans nos communes, dans nos départements. Alors pour faire face efficacement à cela, il est de bon ton d'orienter cette jeunesse vers l'amour des sciences.
Parce que lorsque vous êtes orienté vers l'amour des sciences, c'est qu'on vous amène à faire face aux défis qui attendent notre continent. Parmi les autres activités phares prévues, il y a notamment la campagne de démystification des mathématiques, l'organisation du concours Miss Mathématiques révélé, doté du prix d'Akwesosu, et l'installation de bibliothèques scientifiques et techniques dans Lokossa et dans d'autres communes du Mono. Parlons à présent de la réunion de partage d'expériences des chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UMOA. C'est une rencontre qui porte sur les financements innovants des entreprises existantes au sein de l'espace et au cours de laquelle les initiatives locales seront présentées aux participants. Les travaux qui se déroulent à Cotonou sont placés sous la tutelle de la ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin. Reportage. C'est déjà une innovation de réunir les chambres de commerce et d'industrie des 8 nations de l'espace communautaire francophone UMOA pour un partage d'expériences. Mieux, la rencontre traite de la problématique de financement innovant des entreprises existant au sein de l'espace. La CCI Bénin en est l'initiatrice et la mise en œuvre se fait grâce à l'accompagnement de la Chambre consulaire régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous sommes ici en ce jour pour nous enrichir de la réponse apportée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui, en partenariat avec la Caisse de dépôt et consignation du Bénin, a mis sur pied un instrument de financement, le Fonds d'appui catalytique et de solidarité, qui est destiné à financer des projets innovants et structurant des entreprises à de meilleurs taux d'intérêt bancaire et à promouvoir le financement et le développement des PME-PMI et des start-up. Aux côtés des nations de l'espace UMOA présentes à cette rencontre, le Nigeria est également invité. 48 heures d'échange autour de l'expérience du Bénin pour le financement des entreprises. Une initiative qui vise l'éclosion d'une centaine de petites et moyennes entreprises et industries au plan local. La question du financement des PMI et PME ne doit pas être adressée isolément par nos institutions consulaires, mais intégré dans un dispositif d'accompagnement global arrimé à la fois à l'ensemble des services non financiers et les appuis financiers. Pour ce faire, nous devons construire des modèles économiques qui renforcent la crédibilité et la soutenabilité des projets des PMI, PME et rassurent les apporteurs de financement. La ministre de l'Industrie et du Commerce du Bénin a quant à elle prodigué quelques conseils aux participants. Aussi, devriez-vous, dans cette approche novatrice de financement, agir sur des leviers qui renforcent surtout la crédibilité des PMI, PME et la soutenabilité de leurs projets au travers des services robustes, non financiers, préalables à l'appui financier. Cette réunion est donc une heureuse occasion de conforter les divers dispositifs innovants de financement qui sont déployés par vos institutions consulaires au fin d'une capitalisation de bonnes pratiques. Il est prévu au cours de la réunion de partage d'expériences des chambres de commerce et d'industrie des pays de l'UMOA, une signature de convention entre la CCI Bénin et celle du Burkina Faso. Tous les participants feront une visite guidée de la zone économique spéciale de Glodjibé. Une note de sport dans ce journal, la deuxième étape du 17e Tour cycliste international du Bénin a chuté à Paracou ce jeudi 4 mai 2022 avec le sacre de la Belgique. Il s'agit d'une étape qui a connu une fin festive dans la cité des Koboro sous l'égide de sponsor Zobebra, la société béninoise des brasseries. C'est à travers un géant podium pour communier avec le public sportif paracois et célébrer les stars du vélo. René Soglo pour plus de précisions. La Belgique enchaîne sur le tour cycliste international du Bénin. Après la première étape, c'est un autre cycliste de ce pays européen qui remporte la deuxième étape du Goût Paracou, longue de 133 km 300. Il a fallu 3 heures, 13 minutes, 38 secondes à Sepp van Heeluwe pour s'imposer devant ses deux poursuivants, le Sud-Africain Jonathan Brouwer et l'Allemand Hermann Keller. Ouais, on a gagné l'étape aussi hier avec Bjorn. Donc aujourd'hui, je dois remercier mes copains d'équipe pour le travail tous les jours. Et à la deuxième étape, c'est mon moment. Et je prends l'étape. Je suis très content. Tour de Bénin, c'est déjà fantastique avec deux étapes de victoire. C'est,
C'est formidable pour notre équipe. Si côté béninois, c'est le jeune Ricardo Sodiadé qui a séduit par sa course en étant le plus combatif et le premier des cyclistes du Bénin. L'autre star de cette étape, c'est bien Castelbière. Cette deuxième édition du Tour cycliste international du Bénin a été une véritable occasion pour le sponsor Sobivra de mettre en valeur sa boisson Castelbière. À l'image des jeux de distraction organisés, plusieurs amoureux du vélo ont pu remporter des étrennes à l'effigie du produit. Une belle surprise pour les Paraguayens. C'est l'étape de la marque Castelbière. Et Castelbière, c'est la marque qui accompagne les talents africains. Nous avons mis en avant Castelbière sur cette étape. Et la prochaine étape, celle de Comin, il y aura la marque World Cola, la nouvelle marque de la brasserie, le nouveau produit que nous avons mis sur le marché, histoire de faire découvrir à toute la population du Bénin et surtout de Comin ce nouveau produit qui est rafraîchissant au goût sucré. Au goût. Après Comin, nous vous donnons rendez-vous à Porto-Novo et à Cotonou. Cotonou pour le Grand Prix où toutes les marques de la Sobivra, dont Castelbière, la marque phare, sera représentée avec Aquabelle bien évidemment. Voilà, c'est sur ces belles images que nous allons refermer cette édition. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.